As-tu vu ça, les dangers des batteries lithium-ion? Oui, c'est pas la première fois qu'on en parle, Jean-François, mais là, ça démontre vraiment à quel point ça peut être rapide. C'est une étincelle. Ça a commencé par ça dans un garage en Californie. Le feu a pris et rapidement, le garage a brûlé. Heureusement, là, les gens étaient à l'intérieur de la résidence, donc ils ont vu la fumée, ont pu appeler les pompiers. Ça a été éteint rapidement quand même, mais euh, ça a causé beaucoup de dommages. Il n'y a pas eu de blessés. Ça, c'est la bonne nouvelle dans tout ça. Mais c'est pour vous démontrer à quel point ça peut être important. Il faut faire attention. Les pompiers disent qu'ils reçoivent donc les pompiers de Californie euh, chaque semaine mm. des appels pour euh, euh, des incendies causés par les euh, batteries lithium-ion qui sont partout dans nos vies. On en a besoin, mais il faut quand même faire preuve d'une certaine prudence là, pour les utiliser. Moi, je vous montre une interception.